Bonjour, je m'appelle Charles-Édouard, je suis architecte logiciel à Cosmos depuis 2014. Mon rôle d'architecte technique consiste à proposer les meilleurs choix pour nos clients, à proposer des solutions adaptées à leurs besoins et être le plus efficace dans la réalisation. J'ai également un deuxième rôle à Cosmos qui est celui d'e-lead développeur. Donc là, j'interviens à la réalisation pour la réalisation de nos projets en proposant des phases de modélisation, de conception et j'interviens aussi dans le développement logiciel de nos solutions. Nos challenges techniques à Cosmos, c'est de proposer les solutions les plus fiables possibles pour nos clients, c'est-à-dire faire un choix de composants techniques qui vont durer pendant plusieurs années et être le plus exploitable par les équipes qui l'infogèrent. Les stacks techniques que l'on utilise à Cosmos reposent sur du Spring Boot, Spring Cloud, Spring Intégration pour le messaging. On a aussi sur la partie exploitation des déploiements qui sont faits avec Kubernetes. Et tout l'outillage autour du déploiement et de l'infogérance, c'est du Sentry pour le suivi de nos anomalies. Et ensuite, pour la partie test de performance, on utilise Gatling avec la solution APM. Je travaille avec tous les types de profils à Cosmos, du marketing jusqu'au chef de projet, en passant par l'équipe de développement. Mon but, c'est d'amener les meilleures solutions, d'amener mon expertise sur différents domaines et de proposer ce qui se fait de mieux pour le monde de l'éducation. À Cosmos, j'ai appris le métier d'architecte. Ma capacité à appliquer des procédures, des normes et à produire un travail formalisé et qui correspond aux attentes des équipes. Et également en tant que lead dev, j'ai appris à coacher, accompagner la montée en compétences des équipes, à essayer d'être le plus didactique possible dans ma manière de transmettre l'information.